Alors, je crois que dans vos cours, vous avez entendu parler d'aléa morale, simplement choisir des actions qui sont peut-être bonnes pour vous, mais pas forcément bonnes pour les autres, ou pour la compagnie, la société dans laquelle, à laquelle vous appartenez. Et c'est aussi l'antisélection, c'est-à-dire la formation privée qu'on peut avoir au moment où on échange. Alors, le cas typique de l'antisélection, c'est vous vendez votre voiture ou votre appartement sans dire à l'acheteur qu'en fait il y a un défaut dans la voiture ou dans l'appartement. Les exemples, c'est par exemple le métayage, c'est le propriétaire de terrain agricole qui engage quelqu'un pour semer et récolter. Il fait face à la fois à un problème d'aléa morale, c'est-à-dire qu'il ne sait pas si l'agriculteur va travailler dur pour faire ce qu'il faut pour avoir une bonne récolte, et il fait face aussi à de l'antisélection, la sélection adverse, qu'il y a plusieurs noms, qui vient du fait qu'il ne sait pas forcément si cette terre est productive ou pas. D'accord. Mais il y a beaucoup d'autres exemples qui peuvent aller de la finance d'entreprise, c'est-à-dire par exemple un conseil d'administration ne sait pas forcément ce qui se passe au sein de l'entreprise. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. C'est très difficile pour un conseil d'administration de savoir ce qui se passe au sein de l'entreprise. C'est important pour la régulation, effectivement. Donc, la régulation d'une entreprise de télécommunication comme Orange ou de EDF, etc., c'est pas facile pour le régulateur de savoir ce qui se passe. Et il y a des problèmes à la fois d'antisélection, de savoir exactement quels sont les coûts de l'entreprise, et puis d'aléa morale, c'est est-ce que l'entreprise fait ce qu'il faut pour faire baisser ses coûts, ou les fait simplement supporter par l'usager. Dans les relations tous les jours, les relations que vous avez entre vous, il y a des problèmes d'aléa morale, il y a des problèmes d'antisélection. Est-ce que vous faites confiance aux autres? Est-ce que les autres font ce qu'ils font pour vous aider? Et il y a aussi avec les commerçants, par exemple, si vous allez chez un vendeur d'appareils photo, ou si vous allez chez votre dentiste, vous posez la question, évidemment, est-ce qu'on vous propose une solution ou un appareil photo simplement parce que c'est ce qui est bon pour vous, ou est-ce que c'est ce qui rapporte le plus aux commerçants. D'accord. Donc, ce sont des sujets qui ont une portée très très vaste et qui sont appliqués donc au modèle totalement rationnel. C'est-à-dire que le modèle totalement rationnel en économie ne suppose pas que les gens soient bien informés. Au contraire, on autorise les gens à être mal informés. Alors, j'en viens maintenant à l'économie comportementale qui correspond à des déviations par rapport au modèle rationnel. Il y a beaucoup de recherches depuis 15 ou 20 ans sur l'économie comportementale, donc en laboratoire et sur le terrain. Et aussi ce qu'on appelle en neuroéconomie, c'est-à-dire d'utiliser les neurosciences pour essayer de mieux comprendre les comportements des gens. Il y a beaucoup d'économistes maintenant qui travaillent en neurosciences pour essayer de voir quelles zones du cerveau sont activées dans différentes situations. Alors, je ne vais pas avoir le temps d'en parler, mais juste pour vous citer l'étendue du sujet, il y a beaucoup de déviations par rapport au modèle classique d'homo economicus de personnes totalement rationnelles. Une, c'est la préférence trop importante pour le présent. C'est-à-dire que parfois, on voudrait se comporter aujourd'hui de façon différente parce que ça a des implications néfastes pour demain. Mais on n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'on a une préférence trop forte pour le présent. Ce sont tous les comportements de procrastination. J'aurais préparé mon cours d'économie demain, mais il y a un bon programme à la télé ce soir. Hein, on connaît. Alors, c'est vrai que à terme, le programme d'économie vous sera beaucoup plus utile, mais dans le court terme, c'est parfois plus rigolo de regarder la télé. Alors, on vit tous comme ça. On a toujours des tentations qui font qu'on a envie de privilégier le présent par rapport au futur, même si après on le regrette. On se dit, mais encore, j'ai vu le 35e feuilleton télé, alors j'aurais pu me cultiver un peu plus. On le regrette. Mais sur le coup, c'est quand même plus tentant de regarder, d'adopter la solution de facilité. Et d'après les études que vous menez avec vos
collègues, cette tendance à préférer le présent, elle est très étendue, elle présente un fort coût d'opportunité dans tout ce qu'on alors, deux choses. D'abord, elle peut être très coûteuse. On est bien dans le coût d'opportunité, là, c'est on, ça. On est absolument dans... Alors oui, effectivement, donc là, on a un choix intertemporel à faire. Donc, ou bien je gagne en utilité aujourd'hui, c'est vraiment, je regarde un film, c'est plus facile, ça demande moins de fatigue intellectuelle, ou alors j'investis dans mon avenir. Et là, on voit très bien qu'il y a, un compromis à faire entre les deux. Alors, le compromis, le problème, c'est qu'il faut bien aussi se distraire, mais on a l'impression qu'on choisit trop souvent le présent. Je vous donne un autre exemple. Fumer. Il y a beaucoup de gens qui vous disent « je veux arrêter de fumer ». D'accord ? Pour des raisons diverses, sociales, de santé, etc. Il y a beaucoup de gens qui disent « je voudrais arrêter de fumer, pourquoi je suis pris dans cet emballage ?»« Ah oui, mais je le ferai demain. » Parce qu'évidemment, c'est très coûteux, c'est très dur d'arrêter de fumer. Donc l'idée, c'est évidemment « ah, je le ferai pas demain, mais évidemment, quand demain arrive, bah, je le ferai après demain. » Etc. Et comme ça, il y a beaucoup de gens qui ont du mal d'arrêter de fumer, justement, parce qu'il y a un coût de court terme qui est très élevé. Alors, ça correspond aussi à des choses, je vous parlais de neurosciences, ça correspond aussi à des choses qui, en neurosciences, qu'on obtient par l'imagerie cérébrale. Par exemple, il y a des économistes qui ont travaillé avec des spécialistes de neurosciences et qui posent des questions du genre... est-ce que vous préférez, vous avez le choix entre avoir 10 euros aujourd'hui ou avoir 15 euros dans 6 mois ? D'accord ? Alors, si vous réfléchissez un peu, 15 euros dans 6 mois, à moins que vous ayez vraiment besoin des 10 euros aujourd'hui, c'est ce qui est possible. 15 euros dans 6 mois, c'est beaucoup plus intéressant parce que ça fait un taux d'intérêt absolument gigantesque. Vous avez assez peu de placements qui vous rapportent 50% en 6 mois. Donc c'est extraordinaire comme taux d'intérêt. Mais il y a quand même un certain nombre de personnes qui choisissent 10 euros aujourd'hui parce qu'ils ont les 10 euros et ça leur permettra de consommer aujourd'hui. J'ai une question là, parce que je vois que vous prenez comme exemple l'insuffisance d'épargne. Ouais. On fait, notamment en terminale, on en parle peut-être un peu en première, un cours sur les systèmes de retraite. Donc, est-ce qu'on pourrait considérer que cette tendance à préférer le présent serait susceptible de ne pas favoriser un système par capitalisation par rapport à un système par répartition qui nous oblige à cotiser ? Absolument. Est-ce que ça rentre dans le cadre ? Absolument. C'est-à-dire qu'on a remarqué que les gens veulent épargner, mais ne le font pas assez. Alors là, on est en train de parler effectivement des systèmes par capitalisation, donc pas le système français. Et donc, dans ces systèmes, les gens voudraient épargner, mais ils se disent « oh, ben, j'épargnerai demain ». Et puis, c'est comme fumer, ben, j'arrêterai demain, puis finalement, on n'arrête pas. Et donc, ce qui a été fait, c'est deux choses. D'abord, de subventionner l'épargne. Donc, il y a des subventions à l'épargne dans tous les pays qui ont mis ce genre de système. Et d'autre part, il y a des incitations qu'on donne à épargner. C'est-à-dire que, par exemple, votre employeur... mais systématiquement de côté, tant pour votre retraite. Comme ça, c'est quelque chose auquel vous ne pouvez pas toucher. Et ça existe beaucoup dans un certain nombre de pays. Quand j'étais professeur à MIT, ma retraite, elle passait automatiquement, l'employeur la versait automatiquement, et je n'avais pas le choix de consommer ou pas. Bon, ça, c'est une chose, c'est un exemple, donc l'insuffisance d'épargne. Mais comme je disais, il y a beaucoup d'autres exemples. Et c'est lié aussi aux zones du cerveau. Quand vous voyez, par exemple, est-ce que vous voulez 10 euros aujourd'hui, ce qui s'allume dans le cerveau, c'est votre système limbique, c'est-à-dire ce qu'il y a plutôt derrière, et qui est déjà un système qui est extrêmement développé chez les animaux, par exemple. C'est vraiment le système du plaisir, c'est ce qu'on a immédiatement, en quelque sorte, ça existe déjà chez les animaux. C'est-à-dire que quand on vous parle de 15 euros demain, oula, c'est abstrait, ça. C'est vrai que c'est très abstrait, 15 euros demain. Qu'est-ce que dans 6 mois 15 euros, qu'est-ce que je fais dans 6 mois, etc. C'est notre côté animal qui nous fait préférer le présent. Il y a un petit peu de ça. Bien qu'il y ait des espèces animales qui économisent quand même beaucoup. Mais c'est vrai que l'espèce humaine a effectivement un cortex préfrontal qui est beaucoup plus développé et qui est associé finalement à la vision de l'avenir, à la réflexion, à la vision de l'avenir. Effectivement, c'est une zone différente du cerveau
qui est activé quand on vous parle de demain. Et c'est quand même assez amusant de voir ce qui se passe en neurosciences, parce que ça dit effectivement qu'il peut y avoir des conflits entre différents systèmes du cerveau. Parfait. On termine la partie, puis on prend des questions. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on avait vous, là ? Alors, très rapidement, puisque là, on ne peut pas citer tout ce qu'étudient les économistes actuellement, bon, il y a les problèmes de croyance et de révision des croyances statistiques. Les gens sont de très bons statisticiens dans le domaine, dans certains domaines, et des très mauvais statisticiens dans d'autres domaines, alors on va en parler. Les comportements prosociaux, on va en reparler, parce que ça va être central dans la deuxième partie. Il y a les émotions, qui font qu'on réagit de façon parfois non raisonnée, mais plus émotionnelle, qui effectivement a un côté adaptatif, parce que c'est vrai que dans des situations où il faut réagir très vite, on n'a pas le temps de raisonner, donc il faut réagir de façon émotionnelle. Et c'est très important, c'est quand même, ça existe aussi chez les animaux, quand ils sentent un danger, ils réagissent de façon très instinctive, mais ils peuvent aussi avoir des coûts énormes, c'est vraiment de façon émotionnelle. La confiance en autrui, je peux vous parler un peu de la confiance en autrui, ça c'est important évidemment dans une société. Une société qui marche bien doit, dans certains cas, reposer sur la confiance qu'ont les gens dans les autres personnes. D'accord ? Donc, vous faites confiance entre vous, je l'espère, et faites confiance aux autres, mais évidemment ça dépend aussi de la formation que vous avez sur les autres, de leur réputation, de la situation, etc. etc. En économie, en quoi cette confiance en autrui va modifier nos comportements ? Ben ça va modifier nos comportements. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas, vous allez aider quelqu'un dans votre classe sur un devoir qu'il ou elle n'a pas compris, et vous espérez que par la suite, la personne sera sympa avec vous également. Dans une entreprise, c'est pareil. C'est-à-dire que vous donnez vos données à quelqu'un d'autre, ben, vous espérez que cette personne fera la même chose avec vous. Alors, ne va pas donner ces données à une tierce partie, ce sont des données confidentielles. La confiance est vraiment importante. C'est-à-dire que chaque fois qu'il n'y a pas un contrat clair, ça doit reposer sur une relation humaine entre les personnes qui doivent se faire confiance. Alors, la confiance, ça se manipule. Et de façon parfois inquiétante, en particulier l'oxytocine, qui est une hormone qui augmente la confiance. Alors, Fer est un économiste à Zurich. À Zurich, il se passe des choses absolument passionnantes d'un point de vue économique comportementale. Et Ernst Fer et son équipe se sont amusés à injecter de l'oxytocine avant que les gens jouent des jeux de laboratoire. Il y a quelque chose qui s'appelle le jeu de la confiance. Le jeu de la confiance, c'est que je vous donne quelque chose, je vous donne 5 euros. À ce moment-là, David transforme ses 5 euros en 15 euros. Et maintenant, vous me donnez... Oui, je suis désolé. J'aurais dû le dire avant. C'est David Copperfield. Ouais. Voilà. Donc, et là, vous êtes libre de me redonner ce que vous voulez. D'accord ? Donc, vous pouvez garder les 15 euros. Vous pouvez me redonner 7. Vous faites ce que vous voulez. D'accord ? Et encore une fois, c'est derrière l'ordinateur. Personne ne sait qui est qui. Et donc, il faut que j'ai une certaine confiance en vous pour donner ces 5 euros, parce que vous voyez, ben, j'espère que cette personne sera honnête et va me redonner une petite partie des 15 euros quand même, au moins 5. Et alors, ils ont injecté aux gens des hormones, et les gens faisaient beaucoup plus confiance aux autres, ce qui est sans doute très bon dans une entreprise, mais imaginez que les commerçants fassent ça, vous imaginez un petit peu... ce qui se passerait dans. Vous achèteriez, on vous raconterait n'importe quoi, et vous achèteriez parce que vous feriez confiance aux commerçants. J'étais mercredi à Toulouse, on a un institut d'études avancées interdisciplinaires, on avait invité un grand zoologue de Cambridge en Angleterre, qui est un grand spécialiste de certaines espèces, dont les suricates. Vous voyez les suricates ? Vous voyez ? Et donc, c'est le grand spécialiste. Il s'est amusé à leur injecter de l'oxytocine. Aussi, lui aussi, il n'y a pas que les économistes qui s'amusent à ça. Et effectivement, les suricates se jouaient de façon beaucoup plus coopérative. Alors, ils ne leur faisaient pas jouer les dilemmes du prisonnier, mais ils jouaient de façon beaucoup plus coopérative entre eux une fois qu'ils avaient injecté de l'oxytocine. C'est quand même assez amusant, donc c'est une hormone assez universelle. Mais c'est une hormone de confiance ? Alors,
Non, oui, c'est une hormone qui fait voir l'avenir plus en rose, déjà, et qui effectivement, en particulier, ça a des bons et des mauvais côtés, ça a aussi le côté de, ben, on pense que les autres sont parfois plus honnêtes qu'ils ne le sont, et ça donne confiance. Alors, merci monsieur, j'ai une question et on va vous donner la parole avant de passer à la deuxième partie. Vous avez parlé vous avez utilisé le mot contrat, vous avez fait référence donc au droit pour établir la confiance. Ça veut dire qu'en fait, dans la relation économique de marché notamment, comme on serait amené à ne pas avoir assez confiance en l'autre, on établirait des contrats qui permettent d'avoir suffisamment d'informations pour avoir confiance, c'est ça? Alors, il y a deux manières polaires d'organiser les relations entre les gens. Il y a une manière qui est de vraiment écrire tout sous forme de contrat. David m'a demandé de venir faire cet exposé aujourd'hui. Il aurait pu dire, il aurait pu se méfier, j'aurais pu rester dormir ce matin à Toulouse, etc. Il aurait pu se méfier, il aurait pu me demander des sûretés, il aurait pu me demander ma carte de crédit avec un dédommagement de temps qu'on aurait créé un contrat, etc. Ça aurait été une possibilité. La plupart des relations commerciales sont sous cette forme-là. Quand on vous fait un prêt immobilier, par exemple, on prend votre logement comme gage, comme sûreté, parce qu'évidemment, on ne fait pas forcément confiance, on ne fait pas confiance forcément à l'emprunteur pour rembourser ses dettes. Donc là, il y a la plupart des relations commerciales sont sous forme de contrats et d'incitations. Par contre, on ne peut pas tout régler par contrat. Et donc les relations humaines, personnelles, que ce soit au sein d'une classe, au sein d'une entreprise, n'importe quoi, il faut aussi, souvent, s'en gérer sur la base de confiance. La confiance qui va parfois avec la répétition du jeu, c'est-à-dire que quand on interagit souvent ensemble, c'est clair que quelqu'un qui se montre pas coopératif, on l'exclut, on n'interagit plus avec cette personne. Et c'est un autre mode de régulation des interactions entre les gens, parce qu'encore une fois, on part du point de vue que les gens ont tendance à être quand même en moyenne un peu égoïstes, et donc à faire des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour la société, pour les autres. Et donc, soit on règle les choses sous forme très stricte, contractuelle, en explicitant les devoirs et les droits de chacun, au sein d'un contrat, soit on essaie d'organiser ça autour d'un jeu répété, d'une certaine confiance entre les gens, et il y a un peu les deux modes. Encore une fois, on ne peut pas tout régler de façon contractuelle. Bien. Merci, M. Tirole. Est-ce que vous avez des questions? Vous voyez à quel point on aborde plein de sujets de nos programmes et surtout des comportements concrets, des comportements quotidiens. C'est vraiment tout l'intérêt de cette conférence. Vous devriez bouillonner de questions. Comment? Où ça? Ah, vas-y Yanis. Justement, si chez personnes une compétence, ça peut être lié à la théorie des jeux où justement quelqu'un va décider de dévier pour s'enrichir. Donc aussi à compétence, ça c'est pas forcément bon. Ça peut provoquer des crises, moi. Alors effectivement, c'est une bonne question, effectivement. On a vu dans toutes ces applications que il y a quand même beaucoup de gens qui dévient et qui cherchent leur propre gain. Et d'ailleurs, on le voit, les entreprises qui forment un cartel, on voit le réchauffement climatique où il ne se passe pas grand-chose. Alors, il y a beaucoup d'annonces dans le réchauffement climatique. Les pays font tous des annonces merveilleuses sur ce qu'ils feront en 2050. Évidemment, ce n'est pas sérieux tout ça. Ils ne font rien aujourd'hui. En gros, hein, ils inaugurent quelques éoliennes, mais enfin, en gros, ils ne font pas grand-chose. Donc, tout simplement parce que ça coûte très cher. L'environnement, protéger l'environnement, ça coûte très cher. Donc, les pays ne veulent pas le faire. Donc, c'est vrai que la confiance, ça ne marche pas toujours. Mais j'espère que, par exemple, au sein d'une classe, par exemple, vous arrivez à établir entre vous des relations de confiance, parce que vous ne pouvez pas réguler tout par un contrat au sein d'une classe. Et donc, vous coopérez entre vous, vous aidez mutuellement pour différentes choses. Là, c'est une application beaucoup plus importante. Mais on ne peut pas présumer que les gens vont toujours coopérer, ça c'est au contraire, ils ont tendance plutôt à dévier, malheureusement. Bien, merci M. Tirole, merci Yanis. D'autres questions? On passe aux comportements prosociaux. Élie. Bonjour.
Je voulais savoir si les banques agissent avec des contrats quand il y a une crise interbancaire. Donc, alors, les banques, quand elles se prêtent les unes aux autres, elles peuvent le faire de plusieurs manières, mais souvent elles se prêtent avec du collatéral, justement avec des sûretés, qui permettent effectivement, que si l'autre banque ne le fait pas, au moins de mettre la main sur ces sûretés. Ça me semble qu'elles se font pas de l'ordre. S'il vous plaît, en haut, excusez-moi, vous arrêtez de parler là-bas en haut à droite. Les garçons, les filles, non, mais ça fait un moment que je vous vois. C'est pas correct, c'est pas sympa. Voilà, c'est tout. Merci. Donc les banques ne se font évidemment pas toujours confiance. Les banques cherchent évidemment à arriver à une certaine rentabilité. Et donc, quand elles se prêtent, elles font attention. Et d'ailleurs, c'est la même chose quand elles prêtent aux particuliers. D'accord. Merci. Une autre question ? Oui, Laurent ? Le micro, le micro. Laurent, un collègue. Merci d'être là, Laurent. Bon. Oui, est-ce que vous pourriez éclairer sur un débat contemporain sur l'instabilité fiscale avec ce problème du DM, justement ? C'est quoi ? L'instabilité fiscale de fait en fait que, par exemple, les entrepreneurs ou les ménages soit soumis à un risque d'instabilité fiscale, les ménages par exemple sur le PEA, puisqu'on leur a proposé un contrat il y a quelques années avec une certaine défiscalisation, et maintenant ils sont en cause. Donc même chose pour la fiscalité des entreprises quant à leur projet d'investissement. Absolument, donc l'instabilité fiscale, donc, c'est évidemment le fait qu'au moment où on prend une décision en tant que particulier, que ce soit un individu ou une entreprise, on fait face à un certain régime fiscal qui peut être changé ex post, c'est-à-dire qu'on peut se faire en quelque sorte exproprier de son investissement parce qu'il y a un changement de fiscalité. Et c'est quelque chose d'effectivement très complexe. Là, il y a beaucoup de dynamiques de prisonniers. J'ai passé en fait tout mon week-end sur le sujet parce que, comme vous savez, le Premier ministre a annoncé mardi dernier une grande réforme de la fiscalité de la dépense en France, et il consulte d'ailleurs aujourd'hui les partenaires sociaux à ce sujet, et comme je fais partie du Conseil des économiques, qui est un organisme qui est placé sous le Premier ministre, donc j'en fais partie depuis déjà maintenant 15 ans, presque, donc on essaie d'éclairer un peu les décisions publiques comme on le peut. Seulement, dans le domaine, la France est catastrophique, alors de 36 manières, je suis pas désolé de vous apporter de mauvaises nouvelles, mais j'espère que là vous allez avoir la mémoire sélective, vous allez les oublier. Mais c'est vrai que la situation fiscale est mauvaise. Il s'agit de faire des réformes importantes. Alors il y a 36 sujets, mais prenons un exemple où effectivement les politiques eux-mêmes se comportent de façon à choisir sa stratégie, c'est les niches fiscales. Les niches fiscales, vous savez, 100% des hommes politiques sont contre les niches fiscales. Pourquoi rappeler ce qu'est une niche fiscale et donner un deux exemples. Alors, les niches fiscales, c'est assez complexe, mais enfin, disons que c'est une défiscalisation qui n'est pas justifiée, c'est-à-dire une dérogation par rapport au statut commun. Par exemple, vous prenez les défiscalisations sur les laptops, par exemple, donc il y a beaucoup de gens qui s'enrichissent et qui échappent à l'impôt sur le revenu. En investissant dans les dot-com parce que c'est défiscalisé. Vous prenez la TVA à taux réduit sur la restauration. Il n'y a aucune raison économique selon laquelle on devrait appliquer une TVA beaucoup plus faible sur la restauration que sur d'autres choses. Au contraire, d'ailleurs c'est régressif parce que les gens qui vont au restaurant, en général, c'est des gens plutôt aisés. Donc, il n'y a pas vraiment de raison économique, mais c'est simplement que les hommes politiques, sous la pression des lobbies, et tous le font, cèdent et donnent des niches fiscales. D'accord, à part des niches fiscales. Ce qui fait d'ailleurs que l'impôt sur le revenu en France rapporte très peu. L'impôt sur le revenu en France, qui a des taux très élevés, rapporte deux tiers de ce que rapporte la CSG. D'accord, c'est vraiment très très peu. La CSG, c'est des taux infiniment plus faibles. Donc ça veut dire que c'est complètement mité. Maintenant, on peut accuser les hommes politiques, c'est un point de vue, moi je ne les accuse pas. Pourquoi ? Parce qu'ils font face à leurs propres incitations
ils sont sous la pression de lobby et ils pensent à leur prochaine élection. Alors on peut imaginer, oui, on peut les blâmer, etc., mais leur incitation, c'est effectivement de satisfaire à certains lobbies, à moins que c'est un courage politique énorme, mais ceux qui ont du courage politique énorme, ils ne sont pas toujours élus. Donc, ça, c'est un sujet important. Et la remise à plat de la fiscalité, la remise à plat des dépenses en France est très importante. Est-ce qu'elle va se faire? Moi, franchement, je suis assez pessimiste, j'espère que oui, mais c'est quelque chose d'assez important. Mais effectivement, la stabilité fiscale, pour revenir à votre question, c'est un sujet très important, parce que si on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, on va pas investir. D'accord ? Et c'est vrai dans tous les domaines. Prenons un exemple. J'ai plaidé avec Olivier Blanchard depuis 10 ans. Olivier Blanchard, donc, c'est le chef économiste du FMI, pour une réforme des institutions du marché du travail. Ce n'est pas à vous que je vais dire que le problème du chômage est un problème important. Ce n'est pas un hasard s'il y a du chômage. D'ailleurs, vous voyez, il y a du chômage dans tous les pays d'Europe du Sud qui ont tous les institutions. Donc, c'est pas un hasard. C'est la loi économique. On ne peut pas s'y soustraire. Mais, effectivement, si on changeait les institutions du marché du travail, est-ce que ça marcherait? Ben, la question, ça marcherait, oui, si on pensait qu'il y avait une certaine stabilité dans les lois. Et ça, c'est vraiment important. Et comme les lois peuvent changer très vite, ça pose beaucoup de problèmes. C'est pour ça qu'on a un problème fondamental en France, c'est l'absence de lois bipartisanes. Les lois bipartisanes, où les partis de droite et gauche se mettent d'accord au moins sur un socle, elles peuvent, par définition, les partis de droite et gauche ne peuvent pas être d'accord sur tout, c'est normal. Ils ont des vues différentes de la société, etc. Ils pourraient au moins se mettre d'accord sur un socle commun. S'ils sont tous d'accord contre les niches fiscales, ben, ils se mettent d'accord pour les combattre ensemble. Et comme ça, un gouvernement ne va pas défaire ce qu'a fait le gouvernement précédent et ne va pas remettre des niches fiscales et enlever celles qui existaient avant. Là, on a un problème d'instabilité très fort qui vient aussi en partie du système politique français qui est vraiment très, très conflictuel. Chaque parti accuse vraiment... Alors, il y a des exceptions en France. Je ne sais pas si vous avez fait la LOLF qui avait été votée... En 2001. Voilà, qui avait été votée par Didier Migaud. Didier Migaud, donc, Parti Socialiste, et Alain Lambert, qui est du MP. Didier Migaud, c'est le nouveau président de la Cour des comptes. Voilà. Et là, on a quelques exemples en France, mais dans l'ensemble, c'est vraiment chacun pour soi. Quoi. Voilà, donc en fait, on a un ensemble d'institutions qui nuisent à la confiance et qui nous mènent à une tendance à ne pas être présent. Il y a des dilemmes du prisonnier dans le monde politique qui sont résolus par la stratégie D. D'accord. Voilà. Bien, ben écoutez, on va passer à la deuxième partie, les comportements pro-sociaux. Vous allez voir, c'est aussi formidablement intéressant et ça va amener de nouvelles questions. Merci. Très bien, je vous remercie beaucoup pour vos questions qui étaient excellentes. Ah, Méline avait une question, alors si jamais elle ne la pose pas, je vais vous faire discuter. Allez-y, excusez-moi. Ah, bonjour, pour revenir à ce que vous disiez sur les dom-toms, pourquoi l'État français n'impose pas une taxe plus élevée pour éviter justement les niches fiscales? Je crois que c'est un peu les visions électoralistes. Hein, donc, alors, il peut y avoir des choses qui peuvent se justifier, c'est-à-dire le développement du territoire. Donc, on peut imaginer effectivement qu'on fasse des transferts qui soient des transferts compensatoires pour les régions plus pauvres, par exemple, ça peut se justifier. Il ne faut pas que ça distorde l'efficacité économique. Et en général, bon, ça c'est une digression importante, c'est que souvent, quand on aide des gens, on le fait de façon indirecte, parce qu'on ne veut pas montrer le coût des mesures. Donc un politique va chercher à faire des choses de façon indirecte. Donc c'est le grand problème, par exemple, pour l'agriculture. Au lieu d'aider les agriculteurs, par exemple, on va soutenir les prix à des coûts exorbitants, parce qu'on veut cacher le coût de ces mesures. Je pense que dans une démocratie, il faut accepter le coût de sa redistribution, vers sa redistribution vers les plus démunis, ou vers les régions les plus pauvres, etc. Il faut l'assumer. Mais souvent, on ne l'assume pas et on fait les choses un peu en douce, de façon opaque. Et c'est vrai aussi dans le domaine. Donc c'est plus un problème politique.
Il y a un gros problème politique là. D'accord. Qui existe dans tous les pays, hein. Oui, c'est pas en France. Là. Oui, c'est pour ça que j'ai dit un problème politique de manière générale. Merci Mélie, on a répondu à la question. Comportements prosociaux. Alors, le comportement prosocial, c'est effectivement la surprise. Hein. Donc, je vous disais tout à l'heure qu'il y a quand même des gens qui choisissent la stratégie C. On peut se demander pourquoi ils font ça. Ben, vous allez dire, ils font ça parce qu'ils veulent être sympas, ils veulent pouvoir se regarder dans une glace aussi. Hein, parce que, comme je vous disais, ce sont des expériences anonymes, personne ne le saura jamais. Ils veulent pouvoir simplement se regarder dans un miroir. Ils ont une vision d'eux-mêmes. Et d'ailleurs, Adam Smith, qui était le fondateur de la main invisible, hein, donc la richesse des nations, avait aussi écrit un livre avant la richesse des nations qui s'appelle La théorie des sentiments de Monroe, qui est un livre extraordinaire, où il parlait de ce spectateur interne qu'on a en nous, qui est qu'on veut se penser comme étant quelqu'un de décent, quelqu'un de bien. Alors, je vais revenir parce que c'est très, très important. Parce que sinon, c'est très difficile de comprendre, par exemple, pourquoi des individus donnent à des organisations caritatives. Pourquoi vous allez payer votre café plus cher que d'autres cafés, simplement parce que c'est du commerce équitable. Pourquoi vous allez travailler dans une ONG alors que le salaire est la moitié de ce que vous pourriez gagner ailleurs. Pourquoi vous allez voter. Si vous réagissez de façon très rationnel. Voter, c'est la chose la plus stupide que vous pouvez faire, et pourtant, j'espère que vous allez voter. Pourquoi je vote? Non pas parce que je pense que ça va changer le résultat de l'élection. Si vous faites des statistiques, la probabilité que vous allez changer le résultat de l'élection est vraiment absolument infime. Ça vaut pas les 10 minutes de votre temps, du temps que vous avez passé. Mais, souvenez-vous de l'élection 2000 en Floride. Il y avait quand même 400 voix d'écart, quand même. Donc, un vote n'aurait rien changé. Donc, même dans une élection qui était incroyablement proche. Donc, vous n'allez jamais changer le résultat de l'élection. Pourquoi vous votez? Ben, simplement parce que vous pensez que vous êtes quelqu'un de décent, vous êtes un bon citoyen. Et c'est tout. Mais pourquoi vous donnez votre sang? Vous perdez votre temps, etc. Il y a des gens qui risquent leur vie, même, pour sauver d'autres personnes. Donc, ce ne sont pas des comportements qui maximisent le bénéfice propre de la personne. D'accord? Il y a des coûts personnels sans contrepartie matérielle. Alors vous allez me dire, simplement il y a des gens qui sont généreux. Alors il y en a qui sont plus généreux que d'autres, bien sûr. Il y a des gens qui sont plus généreux, ils ont aussi un bénéfice simplement d'être sympa avec les autres. Alors c'est un peu plus complexe que ça. Et ça, je voudrais essayer de vous convaincre que c'est plus complexe que ça. Et je vais vous présenter ce qu'on appelle un autre jeu. Les économistes jouent beaucoup, hein, c'est des grands joueurs. C'est le jeu du dictateur. Alors ce jeu du dictateur, c'est un jeu qui se joue tout seul, mais qui a des conséquences pour quelqu'un d'autre. Donc je vous fais venir dans le laboratoire et je vous mets face à un ordinateur. Et je vous dis, vous avez le choix entre, vous pouvez appuyer sur la touche A ou la touche B. Si vous avez appuyé sur la touche A, vous aurez 6 euros. Mais par contre, il y a quelqu'un d'autre dans la salle ou quelqu'un dans votre lycée qui touchera 1 euro. D'accord ? Vous ne connaissez pas cette personne, c'est juste quelqu'un d'autre. Donc si vous choisissez A, vous aurez 6 pour vous, et puis cette autre personne, par exemple dans cette salle, va avoir, il y a quelqu'un d'autre dans la salle qui aura 1. Si vous choisissez B, donc vous pouvez appuyer sur la touche B, vous n'aurez que 5 euros. Mais l'autre personne, encore une fois anonyme, touchera 5 au lieu de toucher 1. D'accord ? Donc il y a une action A qui est égoïste, et une action B qui est une action généreuse. Parce qu'on perd 1 euro, mais on en donne 4 à l'autre. D'accord ? Donc c'est un petit peu l'idée. Alors, si on était purement, si on maximisait son gain propre, on choisirait toujours l'action A, bien sûr. On choisirait de prendre 6 plutôt que 5. On se ficherait de combien à l'autre. Dans une expérience typique, il y a quand même, alors ça dépend beaucoup des sortes qu'on donne, bien sûr. Dans une expérience typique, il y a 3 quarts qui choisissent B. D'accord ?
c'est-à-dire qu'ils choisissent d'être généreux. Alors malheureusement, dans le domaine des impôts, puisqu'on parle des impôts, c'est un peu différent. Mais, bon, là, on se dit, bon, je vais perdre un euro, mais bon, je vais être sympa, je vais donner 4 à l'autre de plus, donc je vais être très sympa. Et donc, je s'achète, il n'y a rien de mal à ça, on s'achète une bonne conscience, en quelque sorte, d'accord? Alors, je vais revenir là-dessus, c'est important. Donc, ça suggère, en fait, d'une certaine manière, qu'on internalise un peu l'externalité soi-même. On internalise l'externalité qu'on impose à l'autre. D'accord? On dit, ben voilà, je suis prêt à perdre 1 pour faire gagner 4 à l'autre. Ça ne coûte pas cher. Allez, je vais être généreux. D'accord? Alors, je voudrais vous convaincre quand même que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et de nouveau, ce qui se passe, c'est que, enfin, juste si je vous donne la réponse, c'est que d'une part, il y a une générosité intrinsèque, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'entre nous, même la plupart d'entre nous, sommes intrinsèquement au moins un peu généreux. Et d'autre part, on veut aussi avoir une bonne image de soi-même. Alors, en laboratoire, c'est uniquement l'image de soi-même. Plus généralement, ça peut être aussi une bonne image vis-à-vis des autres. D'accord? Donc, une expérience typique, mais il y a beaucoup d'expériences par les psychologues et les économistes qui montrent que, par exemple, je suis beaucoup plus. Probablement, j'ai beaucoup plus de chances d'aider une vieille dame à traverser la rue si vous me regardez que si vous ne me regardez pas. D'accord? Si les gens de votre classe vous regardent, vous allez avoir tendance à être plus sympa ensemble parce que vous voulez acheter du prestige social, c'est normal. D'accord? Donc il y a une volonté de paraître à la fois à soi-même et vis-à-vis des autres comme étant quelqu'un de décent, de généreux, etc. Alors, comment on le sait? Vous allez me dire, ouais, ça c'est des théories, blablabla. Comment on le sait? Alors regardez les faits suivants. Vous savez qu'un don anonyme, c'est la chose la plus merveilleuse au monde. D'accord? L'anonymat, c'est vraiment important. Seulement, si vous regardez les dons au musée ou dans les pays où les gens donnent à l'université, il n'y a que 1% des dons qui sont anonymes. Tous les autres dons sont, les gens veulent leur montre. Donc ça veut dire qu'ils veulent donner, mais ils veulent aussi s'acheter un prestige social. Il y a cette observation qui est très rigolote aussi, qui est souvent dans les dons, pardon, je parle peut-être trop proche du micro, dans les dons, vous avez des catégories. C'est-à-dire que si vous donnez entre 0 et 500 euros, vous êtes dans la catégorie bronze, vous serez marqué catégorie bronze. Si vous donnez entre 500 et 1000 euros, vous serez argent, etc. Je n'ai pas mis le platinum, mais voilà. Donc, vous regardez la distribution des dons. Vous pourriez dire, il y a des gens qui ont donné 300 euros, d'autres 400 euros, d'autres 600 euros. Non. En fait, la plupart des dons sont à 500 ou 510 euros ou 520 euros, juste pour pouvoir être dans la catégorie argent. Ou alors 1000 ou 1010 euros pour pouvoir être dans la catégorie. Or, vous voyez tout de suite qu'il y a un côté stratégique dans le don, par exemple. Un autre exemple. Il y a des économistes qui ont fait des expériences, c'est des expériences réelles. Ils ont mesuré les résultats d'expérience. Dans les cantons suisses, je ne sais pas s'il y en a qui sont suisses dans l'assistance, mais dans les cantons suisses, ils ont introduit le vote par correspondance. Alors, si vous réfléchissez en tant qu'économiste, ça devrait augmenter le nombre de gens qui votent, parce que vous pouvez toujours vous déplacer comme avant, mais si vous n'avez pas le temps, si vous ne voulez pas vous déplacer, vous pouvez voter par correspondance, donc il devrait y avoir plus de gens qui devraient voter. Ils ont trouvé que ça n'a aucun effet et que ça réduisait le vote. Alors, est-ce que vous pouvez deviner où ça a pu réduire le vote? Donc, je vous rappelle, on a introduit le vote par correspondance dans certains cantons. Donc, ça a diminué, au moins pour certaines personnes, le coût d'aller voter. Et cependant, dans certains cantons, il y a eu moins de votes. Parce qu'on ne montrait pas qu'on allait voter. Voilà, donc c'est exactement ça. Maintenant, on avait une excuse. Les gens... Alors, ça s'est passé uniquement dans les petits villages. Dans les petits villages, le vote a diminué, parce que maintenant, les gens avaient une excuse. Parce que, ils ont peut-être voté par correspondance. Et donc, dans les petits villages, on peut résoudre, mais dans les petits villages, le vote a diminué. Donc ça veut dire que la pression sociale est très forte à la réputation. Donc, aller voter, c'est un comportement pro-social, c'est un coût, et les gens le font, d'abord parce qu'ils veulent
être de bons citoyens, mais aussi parce qu'ils veulent montrer aux autres qu'ils sont de bons citoyens. D'accord ? Donc, ce sont des expériences qui vous montrent que la générosité est un problème très complexe. Pourquoi on dit... Pourquoi jeu du dictateur ce mot dictateur ici pour montrer qu'on n'est pas aussi altruiste qu'on en a l'air. C'est du jargon. Dictateur, ça veut dire qu'il n'y en a qu'une personne qui décide. Donc ici, il y a deux personnes qui sont concernées, mais il n'y a que la première qui décide entre A et B. Donc dans ce sens, c'est comme un dictateur, c'est-à-dire qu'il y a une décision qui affecte plusieurs parties, mais la décision est prise par une seule personne. C'est pour ça qu'on appelle ça le jeu du dictateur. Oui, ça j'ai bien compris, mais par exemple, avec l'exemple que vous avez pris du canton, du vote, tout ça, il est où le dictateur ? Alors, vous en tant que qu'électeur, quand vous allez voter, vous pouvez choisir entre l'action A, qui est l'action égoïste, sur acheter moi et je ne veux pas voter. Je ne vais pas m'embêter, de toute façon, je ne peux pas changer le résultat de l'élection. Et l'action qui est pro-sociale, qui est d'aller voter. Alors, c'est pas ces bénéfices-là, mais c'est vrai que ça vous coûte quelque chose d'aller voter, mais c'est bon pour la société. D'accord ? Donc, l'action A, c'est rester chez soi, l'action B, c'est aller voter. Donc là, le dictateur, c'est la société, c'est la pression sociale. Le dictateur ici, c'est celui qui choisit de voter ou pas. Donc, je choisis en tant qu'électeur, le choix A, c'est aller voter, et le choix B, donc le choix A, c'est de ne pas voter, et le choix B, c'est de voter. Donc, je remplis mon devoir social ou je ne le remplis pas, et ça, c'est, pour moi, dans un pays où le vote n'est pas obligatoire, mais il y a certains pays où on est obligé d'aller voter, on peut se comporter de façon pro-sociale, c'est-à-dire B, ou de façon antisociale, c'est-à-dire A, égoïste, c'est-à-dire A. D'accord. Alors, un petit jeu, un autre petit jeu. Vous allez croire que les économistes ne sont pas sérieux, ils passent leur temps à s'amuser. Et c'est vrai d'ailleurs, c'est vrai, c'est un métier merveilleux. Et dans ce jeu, qui a été modifié, alors, écoutez bien parce que c'est un peu plus complexe, donc essayez de suivre et n'hésitez pas à poser des questions si vous ne comprenez pas ce jeu. Donc je vous amène dans le laboratoire, vous êtes encore devant votre dictateur, et je vous dis, il y a deux possibilités, il y a ce qu'on appelle en jargon deux états de la nature. Dans le premier état de la nature, c'est une possibilité, si vous choisissez d'appuyer la touche A, vous avez 6 et l'autre A 1. Si vous choisissez d'appuyer sur la touche B, vous avez 5 et l'autre a 5. Donc c'est exactement ce qui se passait avant. Vous vous souvenez, c'est exactement les bénéfices qu'on avait avant associés à l'action égoïste A et l'action généreuse B. D'accord ? Dans le deuxième état de la nature, c'est une autre possibilité. Disons qu'il y a une probabilité 50% chacun. On tire rapide aux faces. Si vous choisissez A, vous avez 6 et l'autre a 5. Et si vous choisissez B, vous avez 5 et l'autre a 1. Dans ce cas-là, il n'y a pas photo. Parce qu'en en étant égoïste, vous êtes aussi pro-social. Si vous choisissez A, vous faites du bien à vous-même et vous faites du bien aussi à l'autre. Donc il n'y a pas photo. D'accord ? Dans le deuxième état de la nature, il faut absolument choisir l'action A. Et tout le monde choisira l'action A dans ce cas-là. Au moins vraiment, que ce soit votre pire ennemi et que vous vouliez vraiment lui faire du mal, dans le cas particulier, tout le monde choisit l'action A, 100% choisit l'action A. S'ils savent qu'ils sont dans cet état-là. Maintenant, je vous dis la chose suivante. J'ai déjà tiré à pile ou face. Je sais si on est à gauche ou je sais si on est à droite, dans le premier état ou dans le deuxième état. Je vais vous demander de choisir entre appuyer sur la touche A et appuyer sur la touche B. Est-ce que vous voulez savoir si on est à gauche ou à droite, dans le premier état ou dans le deuxième état? C'est-à-dire, je vous pose la question, je peux vous le dire gratuitement, je peux vous annoncer, vous êtes à gauche ou vous êtes à droite, selon le cas. Est-ce que vous voulez le savoir? Si vous ne voulez pas savoir, ça ne va, vous aurez toujours à choisir entre A et B. Donc, en fait, c'est savoir pour pouvoir faire le choix. Pour pouvoir faire un choix plus éclairé. Puisque vous voyez que la matrice des gains n'est pas la même
dans les deux cas. Est-ce que ce jeu, je pense comme ça, hein, est-ce que ça peut s'appliquer, est-ce que ça se rapproche de la thèse du voile de l'ignorance, de la théorie de la justice de John Rawls? L'État, donc, s'est mis dans un état de nature où les gens prenaient des individus, on va dire, pro-sociales, parce qu'ils ne savaient pas justement quelles étaient les situations de départ. Alors là, c'est plus complexe que le voile de l'ignorance de John Rawls. D'accord. D'ailleurs, le voile de l'ignorance, on ne sait pas quelle va être sa place dans la société. Et donc, par exemple, on veut par exemple avoir une certaine redistribution, c'est souvent d'ailleurs la justification pour la redistribution entre les personnes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont de la chance, mais aussi qui le méritent. Souvent, il y a les deux, c'est toujours un peu de la chance plus du mérite, qui sont dans une bonne situation. Et puis, il y a d'autres personnes qui ne le sont pas. Donc, par exemple, c'est clair que derrière le voile de l'ignorance, par exemple, quelqu'un qui est handicapé devrait être aidé. C'est totalement évident. C'est-à-dire que si on se plaçait avant notre naissance, on voudrait, évidemment, que si on tire l'état de la nature dans lequel on est handicapé, la société nous aide. Et c'est tout à fait logique. D'accord ? Donc, ça justifie une certaine redistribution et une certaine solidarité. Alors qu'il peut avoir un conflit avec la loi morale, c'est tout le problème classique. Mais dans le cas du handicap, c'est pas un problème d'aller moral, donc c'est un problème, c'est un exemple très simple, c'est pas un problème d'aller moral du tout. Donc là, il faut une distribution qui est claire. Ici, je vais venir un peu, quand on aura vu un petit peu, est-ce que vous avez compris le jeu? Ça, c'est vraiment important, si vous voulez comprendre les implications du jeu. Est-ce que vous avez compris le jeu? Donc je répète. Je vous dis pas, vous ne savez pas si c'est à droite ou c'est à gauche. J'ai tiré pile ou face, je sais si c'est à droite ou à gauche. La pièce est ici, vous ne la voyez pas, je peux vous la montrer. D'accord? Je peux vous la montrer avant que vous preniez la décision entre A et B. D'accord? La question, c'est, est-ce que vous voulez savoir? Alors, je vous pose cette question, est-ce que vous avez...